Salut tout le monde, c'est Mio. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour l'épisode 26 de Diablo 2 Resurrected. Et on est en compagnie de Devil Kamikaze. Ça va, Devil? Et toi, salut tout le monde. Eh ben ça va la pêche, hein? On vient de bien d'éclater la tronche de Diablo, donc moi je pète la forme. Non, en vrai on avait galéré, mais bon. C'était drôle, c'était bien drôle. Du coup, moi j'étais passée au niveau 28. Je sais pas où t'en es, toi. 27. Toi t'es 27. Ouais, tu devrais pas tarder à passer. Ah, t'avais mis ta cagoule là que je t'avais filée? Tu devrais t'en équiper. Bonjour. Ouais, il m'a fait flipper lui. Donc les amis, j'espère que tout le monde a la pêche. J'espère que vous êtes au taquet pour découvrir avec nous cet acte 5, le dernier du coup de l'histoire de Diablo. On va pas tarder à enchaîner. On regarde vite fait un petit peu ce qu'on peut faire. Parce que là, en fait, en vrai, moi j'ai des équipements, mais c'est que du niveau 40 et plus. Donc en gros, ça sert à rien. 30, même 30, je suis loin, je suis 28. Donc pour l'instant, j'ai plein de runes. Putain, je suis en train de. Bonsoir. Eh, vas-y! D'où tu fais peur comme ça, toi? Tu vas te détendre. Toi aussi, te dis. Ok, il nous colle. Il me suit, fais peur! Laisse-moi tranquille! Je me casse! Je me casse, il me suit, il me fait peur! Il veut me pécho, il est ouf! Tirez le secours! Ouais, bon, bref, j'arrête mes conneries. Ouais, la cagoule, je l'ai. Fous ta cagoule, hein! Comme on dit dans le milieu. N'importe quoi. Vas-y, mets-lui un chassé là, il me fait trop peur. Il va me mettre un coup de bâton, on dirait papy là. Donc au journal de quête, bon, on l'a dézingué, hein. Fais voir, ça donne quoi le 5? Ah! C'est quoi cette bébête? On dirait un crocodile dinosaure bizarre. Après, il y a une espèce de volcan. Après, il y a un trou de serrure bizarre. Après, il y a une espèce de temple ou je sais pas quoi. Une tête de mort. Oh, Devil Kamikaze, qu'est-ce que tu fous là? Et puis à la fin. C'est qui lui? C'est un des frères. Bah, c'est pas Diablo? Non, Diablo, on l'a dézingué. Pourquoi il y a encore sa tête là, on dirait? Non, 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 je suis pas d'accord. Bon, vas-y, décarte là, arrête de me faire peur comme ça. Je savais que vous aviez un grand potentiel, mon ami. Votre action a été fantastique. Ouais, Bien que merci. mes ancêtres aient souvent combattu les Troyens et leurs légions, j'ai vécu une vie d'érudit et d'ermite. Je suis heureux de savoir que mon savoir vous a été utile. Il est temps pour moi de partir. Les portes des cieux sont des merveilles à n'en pas douter, mais j'espère ne pas les contempler avant encore de nombreuses années. Mais alors là, il a. Allez parler à Tyraël pour quitter cet endroit Eh oh, maintenant. tu me parles mieux que ça, toi. Tu dis même pas ce qui est écrit, alors, hein? Enfin, non, il a dit la même chose, mais avec d'autres mots que ce qu'il y avait écrit dans le texte. J'étais paumée, là, j'avais du mal à suivre. Loué soit la Tyraël. lumière, vous avez accompli l'impossible. Oh oui, c'était Diablo et vraiment Méphisto impossible. ont été renvoyés dans les sombres abysses qui leur ont donné naissance, et les pierres d'âmes corrompues ont été détruites. Malheureusement, tandis que vous combattiez ici, Baal était toujours sur le Balle. plan des mortels, à bâtir une armée démoniaque. Celle-ci est désormais à la recherche de la pierre monde, la source originelle des pierres d'âmes et de leur puissance. Et ses troupes répandent le chaos sur leur passage. Elles se sont profondément avancées dans les terres barbares, se dirigeant droit sur le sommet du mont Aréat. Baal sait, héros mortel, c'est là qu'est conservée la pierre monde sacrée. Passez maintenant le portail que j'ai ouvert pour vous. Ouais, Il vous mènera à la d'accord. cité barbare d'Arogat, le dernier bastion de l'ordre qui subsiste sur les pentes de l'Aréate. D'accord. On va faire ça. Bon, bah, c'est bon. Ressuscitez Jenani.
J'ai pas tout. Donne-moi juste 5000 que je... 6000 que je puisse réanimer mon pote. Parce que ça se trouve là-bas, ça coûtera plus cher. On sait jamais. S'il te plaît. Ah, mais lui. T'es un... Oh, l'autre, c'est un escroc. Comment tu sais qu'il me fallait absolument ça? T'inquiète. Ah, mais non, j'ai... mais tu te fous de ma gueule? Quoi? C'est 5460, tu m'as donné combien? Et sous ma gueule... 460! Bah, okay. je t'avais dit 6000, mais bon. Comme t'es une rapace, tu m'as pas donné. Alors, attends. Tu m'as donné combien là? Ah, mais toi, tu m'as donné au centime près, enfoiré! Ah, il veut pas me donner 1 euro de plus, hein, c'est ouf. Garde-moi la rapace. Tu galères ou. Oh putain! Voilà. Bah, je vais le mettre dans mon coffre, merci. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, tout ça pour que je dise que t'étais pas une pince en vrai. Ah non, t'es en bas. Ah, j'étais parti en bas. D'accord, je me casse. Au départ, je me serais caché dans le monde. Je suis parti. Épilogue. Arrête. Hein? Épilogue. Pourquoi? C'est pas acte 5? Arrête. Oui, mais c'est l'épilogue. Vas-y, c'est bon. Ah! Ça m'a fait peur, la musique. Enfin, le bruit. Plus tard. D'accord. Les pierres d'âme sont détruites en forges infernales. Mais il en resta une. Ça c'est bien fait, hein. C'est fini, Tyrell. J'ai échoué. Je n'ai pas passé la porte. Bon, par contre, le doublage, c'est pas trop ça. Hein. Enfin, la synchronisation. Tyrell, pardonnez-moi. Marius, donne-moi la pierre et tu seras pardonné. Mais c'est pas terrible, ça. Donne-la-moi, Marius. C'est pas lui, hein. Tenez. Tout se termine enfin, Tyrael. Regardez ce que la pierre a fait de moi. Tu n'as pas échoué, vieil homme. Ah, tu ne fais courir à ton destin. Au fait, je ne suis pas l'archange. Bah oui, vu ta gueule, ça m'étonne pas. Hein. Toi, t'es teubé, toi. T'es fatigué. Tu as bien agi. Je crois que tu mérites une récompense. Je n'ai pas mérité ça. Fallait te mêler de tes affaires. Voilà. C'est trop bien fait, putain. Oh la vache, on est mort. Il y avait trop de plein de petites bébêtes. Je crois que c'était des cafards. Ouais, dégueulasse. Genre, ça crève pas dans le feu, ça déjà. Ooh.
faut pas tomber dans le trou là. Oh la vache. On est dans la merde jusqu'au cou. Vas-y. Wesh, il s'est déguisé en clown. Il fait peur. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il avait merdé. Baal ! Les portes de Sécheron se dressent depuis des temps immémoriaux. Et vous ne les ferez pas tomber aujourd'hui. Que vos démons partent sur l'heure. La lumière est notre alliée. Nous vous empêcherons d'atteindre le mont Arrakis. Et des villes, les portes de Sécheron. Ce que vous convoitez ne sera jamais vôtre. T'as compris ? Oh ouais. On va plus jamais rentrer. Oh putain, merde. On est dans la merde, on habite à Sécheron, nous aussi. Presque. Non, remets ton... ta cagoule, s'il te plaît. Vos arguments méritent considération. Ah, il lui manque un petit peu de peau, tu trouves pas? T'as pas de peau, mec. Mais il a des dents sur le... sur la tête. Dégueulasse. Mais il me semble que vos conditions sont inacceptables. Pourtant, il n'a pas dit abracadabra. Ça marchait quand même. Ah, mais non, pourquoi c'est une araignée? Dégueulasse. Ah, des cerveaux sur pattes. Lord of Destruction. Ça s'annonce bien. Par contre, tu sais le passage dans la prison là. Oui. Je sais plus dans quel contexte ou je sais plus quoi. Je sais que dans le 3 ils l'ont repris à un moment donné. Ah ouais? Je sais plus pourquoi ou. Oh. Je m'appelle plus trop. Où est-ce qu'on est? Voir la map. D'accord, ça va, c'est pas trop grand. La cache, elle est par là. C'est-à-dire... Ah bah non, c'était une feinte. On est où? Ah, on est là, d'accord. Donc ici, t'as un soulard. Ici, t'as Mala. Moi, Mala. Mala, il parle, viens. Je souhaite la bienvenue à Arogat, dernier bastion Madame. De l'ordre sur le mont Aréat. Si vous avez l'intention de vaincre Baal, le seigneur de la destruction, vous avez frappé à la bonne porte. Baal sème le chaos et la destruction sur la montagne. Ses légions assiègent notre ville et Qualkek et ses hommes ne parviennent pas à les repousser. Qualkek, mais c'est quoi ce nom encore? Il est toujours dans la montagne à chercher quelque chose qui m'est inconnu. Tous nos patriarches, à l'exception de Nilatak, se sont sacrifiés afin de mettre en place un ward de protection autour d'Arogat. Certains parmi nous, dont Nilatak, n'apprécient pas votre présence. Nous sommes un peuple fier, et il n'est pas facile d'accepter une aide étrangère. Bah démerdez-vous alors. Je me réjouis que vous soyez là. Si vous avez besoin de soins ou de potions, venez me voir. L'Arzuk s'occupe des armes, armures et autres réparations. Nilatak, malgré ses mauvaises dispositions, pourrait vous aider pour les autres fournitures. Enfin, Qualkek, notre chef de guerre, mène les troupes qu'il nous reste dans notre combat contre Baal.
Ok, merci madame pour toutes ces informations, mais là il y en a eu trop, j'ai pas suivi, je regarde ailleurs. Donc, elle nous remet la vie, et elle vend les potions et compagnie. Ouh, elle a des belles masses aussi, fais voir. C'est surtout qu'elle a la masse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, ensuite, vous savez rien. Là, on peut pas. Bon, moi, je fais le tour. Ah, bah, t'es déjà parti, toi. Qualkek. Je suis Qualkek. C'est quoi ça? Chef de guerre d'Arogat. À tes souhaits. Hein. Vous semblez être un combattant. Un soldat de plus sera utile. Mais n'espérez pas qu'on vous pleure si vous tombez au combat. Bah, je te dirai. Je te retourne le compliment. Baal mérite son titre. Il a ravagé nos terres et semé la destruction. Le ward de protection placé par les patriarches le garde éloigné. Mais le siège qu'il nous impose prend son dû au fil du temps. J'ai perdu la plupart de mes hommes. D'autres encore sont piégés dans l'école. Mais je jure que nous ne serons pas vaincus. Nous combattrons jusqu'au bout pour protéger la montagne. On va pas le voir tout de suite. Ok. Là, il n'y a rien. Là, c'est pour sortir. Ouais, c'est la porte principale. Ni l'attaque. Et c'est lui, là. Eh bien, un assassin. Oui, alors. Que faites-vous ici, Bien que tous vous soient reconnaissants de votre présence dans notre ville, vous n'auriez pas dû faire ce voyage. Je peux personnellement affirmer que vos compétences ne sont pas requises ici. Vous serviriez bien mieux votre clan ailleurs. Du coup... Attends. Est-ce que toi, il t'a dit... nécromancien, genre en gros, tu sers à rien ici, casse-toi. Ouais. Connard. Eh bien. Non, parier, mais ça m'intéresse pas. Pas en ville. On peut rien lui acheter. Il peut que parier, lui, ça sert à rien. Ici, il y a que dalle. Ici, il y a que dalle. Si, moi, on peut lui acheter. Ah bah, moi, je peux pas. Je peux que parier ou introduction. Bon, attends, je verrai après, c'est pas grave. Je fouille. Ah non, la cache. Ah, il y a le. Le relais, il est là. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais, ça va durer longtemps. Les hautes glaces, le mont Areat, le passage cristallin, la piste des glaces, les corridors de la souffrance, la toundra glacée, le chemin des anciens, donjon de la pierre monde, niveau 2. Voilà, tu sais tout. La cache, elle est juste là. Cool. De toute façon, j'ai pas de fric, donc voilà. Comment va ? Ah, Larzuk. Ainsi, vous êtes venu gagner cette guerre avec nous. Sachez que nous ne respectons pas les oisifs ou les vaniteux étrangers. Ah, si quête mise à jour. Si vous êtes là pour vaincre Baal, prouvez-le. Alors même que nous parlons, Arogat subit le siège des légions de Baal. Des catapultes font pleuvoir la mort jusque devant nos murs. Baal, lui-même, gravit la montagne sacrée, laissant un de ses généraux les plus vicieux mener le combat. Schenk, le surveillant. Bah, tu vois. Cette brute sanguinaire lance ses troupes au combat avec une frénésie suicidaire. Bah, il va suicider, tu vois. Si vous voulez vous montrer digne de notre confiance, soumets l'âme. Éliminez ce monstre, Schenk, qui commande les catapultes devant Arogat. Si vous y parvenez, revenez me voir. Et je vous donnerai une récompense à la hauteur de vos mérites. Bah, de toute façon, t'as intérêt, hein. Je fais pas ça gratos, moi. Oh, t'as que quoi, toi ? Commercer. Alors. Ouh ! Et y a que de la merde. Du coup, là, ça pue. Là, y a rien. Et là, on refait un tour gratuit, c'est ça ? Exactement. Donc, je repars par ici et je vais voir... des cartes. Je suis étonné que cet endroit n'ait pas été souillé. Tout ce que Baal, le seigneur de la destruction, a rencontré sur son passage n'est plus que ruine.
Ces barbares doivent réellement être les légendaires gardiens du mont Aréat. C'est un peuple fier et endurci. Ne vous attendez pas à être chaleureusement reçus. Les étrangers sont rares dans leur contrée. Oui, ben on a remarqué, peut-être merci. Peut-être puis-je gagner leur confiance. Je vais passer un peu de temps avec leur peuple et essayer de les comprendre. Je vous ferai savoir ce que j'apprendrai. Ouais, d'accord, merci bien. Bon, alors toi, tu dois vendre des trucs. Bonsoir. Bah non, moi je peux pas. Discuter et annuler. Qualquer... Ah, c'était pas lui. Merde. Non, discuter, parier ou annuler. Je sais pas de où. De toute façon, je ferai même pas un test avec toi, t'es nul, dégage. Toi, pourquoi tu fais trois fois la taille de tout le monde, toi d'abord? Hein? Oh, vas-y, j'ai rien dit. Salut. Alors, y a rien ici. C'est une feinte. Ah, la sortie, elle est par là. Alors, attends, la quête, elle a été mise à jour. Donc, c'est le crocodile moche, ce dinosaure. Le siège d'Arogat. Mettez fin au siège en éliminant Schenk, le surveillant dans les collines sanglantes. Are you ready? Je recommence. Est-ce que t'es prêt? Oui? Eh ben, let's go. Ouais. Les collines sanglantes. Ah bah tiens, il est pas loin alors. Tu vas payer pour ces atrocités. Oh putain, regarde, il y a des... Okay. Ah, c'est où? Il y a du monde de mort partout. Ah là là là! Allez, toi, dégage. Ça dégage, ça dégage. Le sous-sous. Voilà. Arnois. Mais non, j'en veux pas. Dégage. Ici... Par là. Attends, je fais juste vite fait le tour de l'entrée. Voir s'il n'y a pas des coffres ou quelque chose caché dans un coin. Ah, moi, je suis parti, hein. T'es parti où? Par la droite. Ok. Rien. Ouais, mais là, faut vraiment suivre le... Je croyais qu'on suivait les murs et tout, non? Ah, y'a rien. D'accord. Ouais, ouais. Ah. Ouais, mais là, y'a un trou. Attends. C'est quoi? Y'a rien, d'accord. Oh. Merde. Allez, faut péter les catapultes en fait. T'as vu? Je viens d'en péter une. Là y a rien. D'accord. Ah, je suis coincé dans les meubles. Dans les meubles, dans les murs. Nous on a tué le Diablo les gars, vous croyez que vous faites quoi? Vous faites pitié hein à côté. Et hop, une claque dans ta bouche, tiens. Pourquoi tu me fais peur? Moi j'ai tué Diablo, hein. Ah merde. Pas assez de mana. Tiens, tu crois que tu fais quoi? Te passe, viens là. Ça, ça doit coûter cher. Allez, on va profiter vu que j'ai pas fait exprès de grand fort. Oh bah on verra plus tard, je vais pas y aller tout de suite hein. Ouais. Hop. Par contre je trouve qu'il est vraiment bien fait l'endroit. Je sais pas, je trouve. Ah! Y'a des pics sur le pont, enfoiré! Je savais pas. Alors attends.
J'en ai 4 des potions de mana. Là-haut, il n'y avait rien. D'accord. Ça lag un peu. Pourquoi tu prends pas les coffres? Ah, c'est que je n'ai pas vu. Bah, je l'ai ouvert. C'est bon, il n'y a rien. Ah merde, c'était ton monstre. Je suis con. Oh, pas besoin de le dire, en fait. Ta gueule. T'es, les copains, on est là. Voilà. Eh, on dit merci, là. Oh, ils se cassent, là, ils disent pas merci. Ils sont ouf. Ah, un tonneau vide, ouais, j'adore. Merci pour la blague, allez hop. Par contre, on fait gaffe, hein, si on voit qu'on s'approche... On se casse. Oh non! Il y a un doré. Un gremlins. Ah, c'est des gremlins! Oh oui! Je ne peux rien porter de plus. Bon, on ramassera après, parce que là, je suis en train de faire de la merde. Faudra revenir ramasser parce qu'il y avait des beaux trucs. Hein. Attends, viens, on descend. Ouais, il y avait un truc en or, je vais ramasser. Ouais, c'était un bâton là, je voulais voir ce que c'était. Ouais. Tiens, j'ai un parchemin. Tiens, j'ai des potions de ouf là à te donner. Attends, je repose ça vite fait juste pour voir ce que c'est. Ah ouais, c'est un truc, mais c'est pas pour nous. Ah, ça doit être pour toi. Attends. Ah non, sorcière. Ah, plus un à météore, sorcière. Mais le reste, c'est pour. Je pense que c'est pour toi, bâton, non? Il est vachement bien. Tiens, je te le laisse. Parce que c'est un bon truc. Si tu le prends pas là, peut-être que si tu refais une partie avec un autre personnage, ce sera intéressant. Prends-le. Hein. Ouais, je refais un peu d'ordre dans mon bordel. Tiens, je t'ai laissé 3 potions de mana ici. Des belles. Hein. Et un parchemin. Ah, ici. Yes. Hop. Ça c'est cool. Je ne peux rien porter de plus. Ok. Je sais pas si on devrait pas faire marche arrière, non? Toi t'es là, tu guettes. Ça y est. Ou pas. Comment on monte là-haut? Toi, meurs dans ta vie, là. Attends, faut faire le tour pour monter. J'arrive. Tu l'as baisé déjà? Ah bah, c'est bon, là. Next. Allez, prends ta balle. Oh, c'est toi qui fais ça? Non, c'est pas moi. C'est eux qui nous lancent des trucs. Ah ouais, c'est la catapulte. Attends, je vais les dézinguer, tu vois. Ah non, même pas, il n'y a pas de catapulte ici. Je suis trop chargée. Ouh, je suis coincée. Je peux pas passer. Ah, il s'enfuit là. Pétasse. Ah,
Alors attends, parce que là, vraiment, c'est grand de ouf. Hein. Quand est-ce que ça s'arrête? C'est quoi ce machin? Non, il y avait un Jean par terre, un bonhomme. Mais toi, t'as cru que tu me faisais mal, petite merdouille. Allez, merci pour le diamant. T'es où? Tant pis, sinon ça je laisse, je m'en fous. T'es où? Ah, t'es là-haut. T'es où? Ah, t'es là. Allez, mourez! C'est comme ça qu'on fait, voilà. Je ne peux rien porter de plus. Allez, la catapulte, ça dégage. Oh, t'as la haine parce que j'ai cassé ta catapulte? Oh, copichon. Tiens, prends ta patate. Hé, diamant, donne-moi ça. Donne-moi pas ça. Va falloir qu'on se fasse un chemin là parce qu'on laisse trop de trucs par terre. Non? Ouais, cool. Pour l'instant, ils sont faciles donc. Wow, ah, c'était ça. J'aime trop, genre, mais une patate, ils sont morts. Ah, j'ai un anneau. Ouh, vitesse de sort très rapide. Ah, je suis en train de cramer. On peut pas passer par là. Attends, je vais faire le tour, tu vas voir. Vous là. Ah, pourquoi ça me gratte l'œil à ce moment-là? Merde, je suis dans un mur. Oh, un crâne, ça fait longtemps. D'accord. Non, mais en fait, depuis tout à l'heure, on fait du tout droit, laisse tomber, ça s'arrête jamais. Ah, il m'a claqué à la gueule le tonneau. On est de retour avec des tonneaux péteurs, c'est cool. Ça m'avait manqué. Le prochain, c'est pour toi. Hein. Oh, attends. T'inquiète, avec moi, ça fait pas long feu. Ah, on a désingué toutes les catapultes, je crois. Attends.
Mise à jour. Tu es Shank le surveillant. Viens, on se part. On repart. On doit être au niveau où il est là. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Ou pas. Venez, les gars, je vous désingue. Je m'en bats les reins, j'ai pas peur. Bon, après, si on le bute sans faire exprès, tant pis, hein. Mais on finit le niveau, quoi. Wesh, le type, fait Gogo Gadget au bras. Il est fou, lui, ou quoi? T'es fou, toi? Lui, là, marteleur de la mort. Il m'a fait un Gogo Gadget, j'ai rien compris. Il me faut plus de mal. Tiens, moi, je fais un Gogo Gadget du pied, tu vois. Oula! Ça lag? Viens, on nique toutes les catapultes. Il y en a encore quelques-unes. Oh, toi, t'as pris une baffe. T'as volé en morceaux. Ah, c'était trop bien. Oh, toi aussi. Attends. Attends. Je vais voir si c'est intéressant. Tiens, ça j'en veux pas. Tiens, je vais te donner mes gants à moi. Ils sont très intéressants. Ils sont méga intéressants. Ils donnent 200% d'or supplémentaire sur les monstres. Et moi, je vais mettre ceux-là parce qu'il y a résistance au feu. Ah, qui c'est qui me fait chier? Et toi? Alors toi, ta gueule. Hein. D'abord. Attends, viens, je vais te donner des gants. Toi, là. Meurs dans ta vie. Voilà, un coup de chassé dans le dos. Je suis trop chargée. Tiens. Donc, mets-les, par contre, parce qu'ils sont... Ils claquent de ouf, hein. Et toi, qu'aimes le fric, ça va te plaire. Du coup, on continue par là. Non, non, le haut, c'est là où il y a l'autre. On fait le tour d'abord et on reviendra en haut à la fin, je pense, non? Ouais. Tu m'en diras des nouvelles, des gants. Ils sont mieux que les tiens? Je suppose. Je vais pas comparer. J'ai pas plus la tête. Ah ouais, j'ai dit 200% d'or supplémentaire, ça quête, hein. Je l'ai pris direct, hein. Et toi, la catapulte, t'as sucre aux mains, t'as commencé à bien faire. Ça suffit. Comment on monte ici, là? Mais je prends pas un seul pet dans la tête. Ils me font même pas un seul dégât, c'est un truc de ouf. Il est où, toi, ta bonhomme, là? Oh! Oh! Quoi? Oh, il est là, il est là! Bon, bah vas-y, viens, on le dégomme parce qu'il va nous suivre partout sinon. Il va croire qu'on a peur de lui, ça se fait pas. Vas-y, occupe-toi de ses potes, je vais le désinguer. Toi là. Toi, tu crois que tu vas où? Gars, il a même pas le temps de bouger, je lui mets deux patates. Voilà, t'es mort. Potion de vie supérieure, potion de vie. Ah, vite, ça crame, faut se casser.
Recule, recule, recule. Shank, ton règne est terminé. Aïe. Maintenant, je ramasse les potions de vie, s'il vous plaît. Super potion de vie. Potion de vie. Il y en a plus ? C'est quoi ça ? Oh, j'ai envie de faire un double saut dessus pour l'éclater. Je suis psychopathe. Bon, bah, du coup, on peut continuer. Hein. On peut continuer notre ascension par là. Pour voir qu'en fait, on était arrivé au bout, qu'il n'y avait plus rien. Bah voilà, on était arrivé en haut. Ah, ici, il y a un chemin. Attends. J'y vais pas, mais je vais juste regarder. Dans les hautes glaces, la quête a été mise à jour. Hautes glaces, c'est par là, ok? Donc, bon, on n'a plus qu'à faire le tour. Attends, je regarde vite fait ce qui a été mis à jour. Hop! Donc, lui, allez parler à Larzuk pour obtenir votre récompense. Et là, sauvetage au mont Areat. Retrouvez les soldats prisonniers des hautes glaces. Bon, d'abord, on finit ce passage-là. Ouais, on va essayer de trouver aussi le... Le point relais. Ouais. Ce serait pas mal. Ici, je pense pas qu'il y en avait, mais par contre... Après, ouais. Je crois que j'avais vu un truc. T'es souhait. Voilà. Ici, il y a que dalle, c'est une simulation, ça s'appelle. Toi, essaie pas de me prendre en traite, abruti. Parce que tu vas mourir quoi qu'il arrive. Voilà, va mourir. Par là, t'es mort, c'est bon. Si ça t'intéresse, je la garde au cas où, sinon on va. Après, tout esquive mes coups, t'as pas le droit. Voilà! Tu prends ta baffe, j'aime bien. Allez, allez, meurs! Mais arrête de taper dans le vent! Lui il s'est enfui, elle est cassera. Eux, c'est pas les cousins de ta bestiole, là. Sauf qu'ils ont des pics dans le dos, en fait. Lui, il tue sa famille, comme ça. Ça le dérange pas. Ah, par chemin d'identification, merci. Ah merde, je crois que t'as ramassé. Oh, c'est pas grave, tu me fileras tout à l'heure. Oh, bon, monsieur, il est mort. Oh, monsieur aussi. Là, y a rien, là, y a rien. Ah, ça pique la tête. Après, par là, on a été. Par là, on a été. Ici, on vient là. Oui, j'étais un peu partout. J'ai ramené un peu le quartier. Les gars, ne bougez pas, il y en aura pour tout le monde. Regardez, hop là, hop là. Hop là. Un peu comme ça, vas-y. Hop. De l'électricité, vous voulez ? Eh ben, y'a problème. Du feu, pareil. Avec plaisir. Alors, potion de vie. Non, 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 ça. Je suis pas d'accord. Ah, y'a du monde ici. Eh hey, toi, arrête avec ton Google Gadget là. Ils te l'ont fait toi aussi le Google Gadget au bras? Ouais, mais sauf que moi ils arrivaient pas à m'attendre. Ouais, sauf que moi ils ont réussi à m'attendre. Ensuite, au suivant, qui c'est qui veut prendre sa baffe? Y'a personne? T'as de la chance. Toi là, c'est bon, t'as plus de travail. On a tout fait à ta place. Bah oui.
Ah, je suis coincé, buggé dans l'escalier. Là, il n'y a rien. Je reviens vers toi. T'as des là, trucs. D'accord. Ok, là, il n'y a rien. Là, on est au bord. Attends, au milieu, là, il y a quoi? Ah, ça se fight ici, là. Allez, ça s'appelle une claque dans, dans le dos, ça. Ok, toi t'es arrivé par là, il n'y avait rien. Là, il y a quoi? Que dalle. Ah, une catapulte, attends, je vais faire le tour. Voilà. Bon. Ouais. Mais par contre, on a tout dézingué, on n'a rien. Ah non, on n'a peut-être pas fini. T'avais pas dit qu'il fallait qu'on aille parler au mec, là? Ouais, si, viens, on retourne. Parler à Larzuk ou je sais pas. Si... bah vas-y, fais un chemin, la flemme. Hein. La grosse feignasse. Ou je sais plutôt ouais, comment ça, ça s'appelle. Je vais voir, je te dis ça. Les hautes glaces, il y en a un, donc faudra absolument qu'on le trouve, sinon on est niqué. Je vais aller m'acheter. Bah, quand je voyou, t'en veux pas? Amulettes, je te l'ai. Ouais, ok. Bien. Ah, merci, c'est toi qui l'avais en fait. Larzuk, il est là. C'est bon, t'as autre chose à me donner ou comment ça se passe? Bien, il est là. Bonjour, monsieur, bonjour. Vous êtes un guerrier plus puissant encore que je le pensais. Excusez-moi de vous avoir sous-estimé. Ouais, excuse-toi là. Afin de prouver ma reconnaissance, je vais forger dans l'objet de votre choix des emplacements à sertir. Ah ah ! En plus, vous aurez désormais accès à mes marchandises au meilleur prix. Ouais, ça c'est intéressant. Alors, commercer, réparer. Déjà, on répare. Du coup, tiens, je te vends ma merde. Par contre... Il a dit qu'il peut ajouter deux chasses dans un objet de notre choix. Ça, ça peut être intéressant. De ouf. Va falloir bien regarder... Dans quoi, ouais. L'objet. Ouais. Va falloir faire bien attention à ça. Ça, j'aimerais bien qu'il me le fasse. Est-ce que je peux... Ajoute deux chasses. S'il te plaît. Dis-moi que tu peux le faire sur ça. Ça a marché. Ah, une seule chasse. Bon, c'est déjà ça de prix. Alors du coup, je vais mettre quoi? Toi aussi, ça t'a fait qu'une seule chasse? J'ai pas encore choisi d'objet. Moi, je l'ai mis dans mon arme direct. parce qu'elle est déjà badass et je pense pas que je la changerai d'ici la fin du jeu. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Oh là là, il y a tellement de choix. Dégâts contre les morts vivants. Ouais, j'ai regardé. Moi, il m'a ajouté qu'un seul truc hein, pour okay. Un seul emplacement. Bon, c'est déjà bien. J'ai bien envie de mettre ça là. Plus 9 au dégâts max. Ça, je vais mettre ça, c'est obligé. Journal de quête mise à jour. Le siège d'Arrogate quête terminé. Donc faut aller dans les hautes glaces et du coup donc lui c'est bon il m'avait réparé il avait réparé. Ah t'as une griffe elle est comment? Ah chier. Ah il a des ceintures bleues. Non c'est de Nova, défense augmentée de 41 et là c'est défense 10. 10% de chance de lancer et résistance à la foudre plus 20%. Vas-y je vais prendre celle avec la défense augmentée. En parlant de potions, faut que j'aille... Mais dégage-toi. Du coup, je fais comme ça, ça évite les conneries. La mienne, elle est bien déjà. Hein. Plus 14 au point de vie et résistance au poison, plus 6%. Elle est comment, la tienne? Non, la tienne, elle est mieux. C'est bon, j'ai vu. Ouais. Elle est okay, mieux. Bon, voilà. Elle est mieux, par contre elle a que 5 en défense. Mais bon, t'en as pas vraiment besoin donc ça va. Bon, bref, faut que j'aille acheter des trucs. Ah, bah il parle, Kalkek. Je m'inquiète désormais pour mes hommes.
Certains sont prisonniers des démons sur le champ de bataille. Je n'ose imaginer les tourments qu'ils endurent. Lorsque vous irez dans la montagne, voyez si vous les trouvez et pouvez les ramener. Ils te parlent pas? Discuter, sauvetage au mont Ariat. Je l'ai, mais dans le truc des disques, je crois que ça ne l'a pas lancé automatiquement. Ah, d'accord. Je peux rien acheter chez lui, hein. Il ne sert à rien celui-là. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura déjà avancé, vu qu'on a déjà fait une des premières missions, qui était de déglinguer. Comment il s'appelle déjà, lui, Sheik? Ou je ne sais plus qui, là. Donc, on lui a éclaté sa bouche. Du coup, dans le prochain épisode, on devra aller dans les hautes glaces au mont Ariat. Voilà, pour retrouver les soldats prisonniers et les sauver. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on a bien aimé, en tout cas. C'est une reprise en douceur, on va dire, parce que là, pour le coup, ils n'étaient pas durs du tout à dézinguer. Bon, après Diablo, on va dire... Tout peut paraître facile, je pense. Donc, ça va. On a de quoi se rééquiper. On a de quoi se racheter des potions et tout. Donc, c'est bien. Là, on va pouvoir se refaire un petit peu avant la fin du jeu. Je pense qu'il va falloir y aller taquer au niveau des sous, là, pour pouvoir s'acheter taquet de potions. Parce que t'as vu comment on a galère contre Diablo. Allô, la Terre. Ouais. N'hésitez pas à follow Devil Kamikaze sur sa chaîne Twitch. Et puis, vous abonner à ma chaîne, les amis. On se dit à très bientôt. Salut Devil. Yo, salut tout le monde. Bye.